Bonjour les pilous, dans cette vidéo, nous allons parler des circuits en série et des circuits en dérivation. Commençons par les circuits en série. Un circuit en série est composé d'une seule boucle, c'est-à-dire un seul chemin possible entre la borne positive et la borne négative du dipôle générateur, ici la pile. La boucle de courant est ici représentée en vert. Observe le circuit. Il est composé d'une pile, d'une lampe L1 et d'une lampe L2. Il s'agit d'un circuit en série car il est composé d'une seule boucle. Si on dévisse la lampe L1, on observe que la lampe L2 ne fonctionne plus. Si on dévisse la lampe L2, on observe que la lampe L1 ne fonctionne plus. Quand on dévisse la lampe L1, on simule la panne de la lampe L1. Le circuit peut alors être modélisé de la façon suivante. Le circuit est ouvert, il n'y a plus de courant dans le circuit, on ne représente donc plus de boucle de courant. La lampe L2 ne fonctionne logiquement plus. De même, lorsque l'on simule la panne de la lampe L2 en la dévissant, le circuit est modélisé ainsi, et comme aucun courant ne circule, on ne représente pas de boucle de courant, la lampe L1 ne fonctionne plus. On peut en conclure la propriété des circuits en série. Dans un circuit en série, quand un dipôle cesse de fonctionner, les autres dipôles cessent aussi de fonctionner. Passons au circuit en dérivation. Dans ce circuit, il y a aussi une pile, une lampe L1 et une lampe L2, mais disposées différemment. Tu peux constater qu'il y a une première boucle, ici représentée en bleu, qui contient la pile et la lampe L1. Et une seconde boucle, représentée en vert, qui contient la pile et la lampe L2. Un circuit en dérivation est un circuit composé de deux boucles et plus. Si on dévisse la lampe L1, on observe que la lampe L2 continue de fonctionner. Si on dévisse la lampe L2, on observe que la lampe L1 continue de fonctionner. Lorsque l'on dévisse la lampe L1 pour en simuler la panne, alors le circuit peut être modélisé ainsi. La boucle bleue contenant la lampe L1 n'existe plus, mais la boucle verte contenant la lampe L2 existe toujours. Cette dernière peut donc briller. Lorsque l'on dévisse la lampe L2 pour en simuler la panne, alors le circuit peut être modélisé ainsi. La boucle verte contenant la lampe L2 n'existe plus, mais la boucle bleue contenant la lampe L1 existe toujours. Cette dernière peut donc briller. Dans un circuit en dérivation, quand un dipôle cesse de fonctionner, les autres dipôles situés dans d'autres boucles continuent de fonctionner. Récapitulons. Un circuit en série est composé d'une seule boucle. Quand un dipôle cesse de fonctionner, les autres dipôles cessent de fonctionner. Un circuit en dérivation est composé de deux boucles et plus. Quand un dipôle cesse de fonctionner, les autres dipôles situés dans d'autres boucles continuent de fonctionner. Voilà, c'est terminé pour cette capsule sur les circuits en série et en dérivation. N'hésite pas à t'abonner et consulter d'autres vidéos.